Good morgen, allez Yiden, nous sommes le jeudi 27 Nissan 5776 et le titre est le Lunishmat Rachel Batsara et l'Irfuat Arav Yosef Haim Ben Emma Simcha. Nous étudions Baba Kama Perek Tet, Perek Yud, Mishnah Tet. En l'okrim in aroim, tsemer de chalav ugdaim, velo mishomre perot et simu perot, aval l'okrim min anashin, kle tsemer biouda, ou kle pishtan bagalil, vagalim basharon, vekulam. שאמרו להתמין אסור ולוקחים ביצים ותרנגולים מכל מקום. משנה relativement simple, mais ce sera pour nous l'occasion d'introduire une notion générale à plein de sujets, de thèmes de la Torah, la notion des chazakot. Mais on va d'abord commencer par traduire toute la Mishnah. Vous allez voir que tout le monde est capable de la lire et de la traduire, juste qu'on va ajouter à la fin un petit peu d'épices dans ce plat, histoire de donner un peu plus de goût. Donc, on fait ça dans les mots d'abord. Nous n'avons pas le droit, il est défendu, d'acheter. Ouais, la kachat, ça veut dire prendre, mais ça veut aussi dire la kouar, c'est aussi un client, c'est quelqu'un qui vient acheter. Donc, on n'achètera pas des bergers de la laine, tsemer c'est de la laine, vechalav du lait, ugdaim, ou c'est des agneaux. D'accord ? Et on n'achètera pas non plus des gardiens de fruits, des bois ou des fruits. De quoi parle-t-on? Très simple. Vous avez ici un gardien d'usine, par exemple, d'usine de vêtements, qui va vous proposer d'acheter à prix coûtant ou même à bas prix, ça change un problème, d'acheter exactement le produit de l'usine où il monte la garde. Une telle histoire, ça sent le roussi, c'est pas logique. Mais qu'est-ce que ça signifie, ça, qu'il se met à vous vendre ce produit-là? Oh, c'est qu'apparemment, il est parti voler la marchandise et il est parti arrondir ses fins de mois, tout simplement. Je connais un cas d'un quelqu'un qui avait un magasin de cassettes, de vidéos. Et systématiquement, c'est son voisin qui lui a dit, tu sais, quand tu pars le soir et que tu laisses ton employé fermer le magasin, je vois que de temps en temps, il prend une petite caisse de cassettes et ça rendit ses fins de mois, c'est fréquent. Donc, vigilance, bien sûr pour le propriétaire, mais là, c'est pas le sujet de la Mishnah, mais vigilance aussi pour celui qui veut venir acheter. Il faut qu'il sache s'il y a de quoi suspecter, douter que l'objet qu'il s'apprête à acheter est en fait volé. Donc il n'a pas le droit de l'acheter, d'accord? Ensuite, on continue. Aval lokrin menanashim kletzemer, il y a une précision importante, mais on la dira ensuite. Aval lokrin menanashim kletzemer biyuda, vekle pishtan vagalil, vagalim basharon. Petite introduction d'abord pour comprendre l'importance de cette phrase. De manière générale, tout ce qu'un homme a dans sa maison lui appartient. Même lorsque sa femme travaille et qu'elle gagne de l'argent, la halakha, les conditions de la ktouba font que la femme doit prendre son argent et le donner à son mari. Et en contrepartie, le mari a plusieurs devoirs à une femme, envers sa femme. D'accord? Plusieurs devoirs. Et donc concrètement, Chachamé, on fait une takana pour le bon déroulement, la bonne entente du foyer. La femme donne toute sa paye au mari et le mari, en contrepartie, est engagé de la nourrir en toutes circonstances, de la soigner en toutes circonstances. Ouais, c'est possible que finalement la femme, elle va travailler pendant 20 ans, rapporter une certaine somme et que l'eau allait nous, elle va finalement tomber malade et le mari aura un devoir alpi bet din, alpi tnaï ktouba, selon les conditions de la ktouba, de soigner sa femme. Il ne pourra pas dire non, je le divorce, que son père là, s'occupe d'elle. Non, il a le devoir de soigner sa femme. D'accord? C'est un rapport que Chachamim ont fait. Plusieurs choses que la femme fait entrer, les donne à son mari et en contrepartie, le mari a plusieurs devoirs envers sa femme. Après avoir introduit cela, on va introduire maintenant une autre notion. Une femme qui décide de vous faire un cadeau un peu exorbitant, un peu trop fort, on n'a pas le droit de l'accepter si l'on doute qu'elle le fait en cachette de son mari. Et donc la Mishnah va nous donner certaines, malgré tout, là cette fois-ci on ne va plus parler d'un employé, mais on va parler d'un mari et d'une femme, donc forcément le mari va laisser quand même plus de liberté d'action à sa femme, en l'occurrence
donner des petites sommes de tzedaka ou de vendre certains produits un petit peu à la maison, bien sûr, elle va avoir carte blanche pour agir. Et de ce fait, la Mishnah nous enseigne. Si on se retrouve dans la région de Yehuda, la Judée, là-bas, apparemment, les femmes étaient plutôt connues pour tricoter des habits. Donc on a le droit d'acheter des kletzemer biyuda, des habits tricotés en laine en Yehuda, en Judée. Ou bien on chle pishtan bagalil, ou encore des habits de lin dans le Galil, la Galilée, le nord d'Israël. Ou encore va agalim basharon, ou encore des agalim, des veaux dans la région du Sharon. Aujourd'hui, la région du Sharon, c'est toute la côte autour de Natania, la côte maritime à côté de Natania. Est-ce que le Sharon de l'époque, c'était la même région? Je suppose que oui, je ne sais pas. Et voilà. Voilà pour la seconde partie donc de la Mishnah. C'était cette fois-ci de nous enseigner les choses qu'on a le droit d'acheter, d'acquérir d'une femme, parce qu'on va supposer dans ce cas-là que le mari laisse le droit à sa femme de vendre des produits, gagner des petites sommes pour ensuite partir le dépenser, par-ci par-là. Par contre, dès que ça va être des choses un petit peu plus grandes, ou bien chez nous 5 minutes éternelles, lorsqu'on fait parfois des opérations de téléphonie et qu'on tombe sur une femme très généreuse, c'est possible qu'elle soit en fait une grande voleuse. Donc si elle propose un montant un petit peu trop exorbitant, on essaye de faire traîner l'histoire pour demander à son mari est-ce qu'il est d'accord, il n'est pas d'accord, sinon il y a un problème d'accepter une somme importante. Elle n'a pas toujours le droit d'agir, même si elle gagne une paye, attention, ouais. Même si c'est elle qui fait entrer l'entrée essentielle. Maintenant, parce que la femme fait entrer l'entrée essentielle dans le foyer, alors le mari, en retour, lui laisse une liberté d'action. Alors là, tout va très bien, il n'y a aucun problème, puisque finalement, le mari le laisse faire ce qu'elle veut. Mais dans la mesure où il est possible que le mari ne soit pas d'accord avec un tel don, on n'a pas le droit d'accepter, tout simplement. Et après, il faut réfléchir, donc c'est le but de la Mishnah, malgré tout, de nous donner certains exemples qui sont en fait plutôt des directives et des axiomes à partir desquels on va pouvoir juger, évaluer est-ce que le mari est d'accord sur cette vente, sur ce don. Dans tous les cas, maintenant, la Mishnah continue de dire attention, Vechulan She'amru Lehatmin Asur. Dès que la personne, donc on ne parle pas uniquement du gardien de fruits ou encore du berger, mais on parle même de la femme, Vechulan She'amru Lehatmin, et toutes qui vont dire je te donne, mais camoufle-le, s'il te plaît. Pars discrètement quand tu ressors de chez moi. Pourquoi? On déduit donc que le mari n'est pas d'accord, qu'elle a peur de se faire attraper, que les voisins la voient. Dans ce cas-là, assourd d'accepter, c'est interdit d'accepter. Velokrin betzin veternegolim mikol makom. Et la Mishnah continue pour nous dire, et on a le droit aussi d'acheter des œufs et des poules de partout. Ça n'a pas tellement été précisé dans les commentateurs pourquoi, d'accord? Je suppose que, bon, bien évidemment, ouais, précision importante quand même, si vous dites de cacher les œufs, donc ce sera interdit. Mais en fait, peut-être que c'est venu d'enseigner, même si finalement, il y a lieu de croire que c'est des poulets du voisin qui sont entrés dans sa cour ou pas. Non, alors là, la Mishnah nous enseigne, nous dit, non, c'est pas la peine de craindre une telle situation. T'as le droit de les acheter, t'as le droit de les vendre, t'as le droit de les acheter de n'importe qui, mikol makom, de tous les endroits. Voilà pour la présentation de la Mishnah. Tout d'abord, une précision halakhique sur la première partie, avant d'expliquer le principe qui génère toutes ces lois. D'abord, on avait vu qu'on n'a pas le droit d'acheter des bergers, d'acheter des habits en de la laine. On n'a pas le droit d'acheter de la laine, du lait, ou des gdaïm, des agneaux. La Gemara précise qu'on parle uniquement lorsque la laine est encore à l'état brut. Par contre, si on vient acheter d'un berger des objets tricotés en laine, donc il est possible que ce berger ait volé la laine, et pendant que le troupeau était en train de paître, lui s'amusait à carder la laine, à la filer, et puis à se tricoter ensuite un vêtement, et bien malgré tout, on a le droit, dans ce cas-là, d'acheter du roé, donc du berger. Pourquoi? Raison simple, vous le connaissez très bien, ça fait déjà deux prakim qu'on tire ce sujet en longueur, Shinui connaît. Puisque le berger, au moment où il a pris cette laine et il l'a transformée, il l'a métamorphosée, il acquiert cette laine par chinouille, il s'avère que maintenant sa laine lui appartient désormais. Il doit à son propriétaire la valeur de la laine, mais l'objet tel quel, le vêtement tricoté en laine, désormais il lui appartient, donc j'ai le droit d'aller le lui acheter. C'est-à-dire, l'interdit ici, il est uniquement d'acheter l'objet
l'objet lui-même qui est volé. Pourquoi ? Parce que lorsque je vais prendre cet objet de cette personne, je ne lui prends rien de lui, je le dois en réalité au propriétaire. Je suis en train moi-même de voler le propriétaire. Mais si le berger a fini son vol et il s'est déjà lavé les mains, donc il a déjà acquis concrètement cet objet, il ne devra plus jamais rendre ce vêtement en laine, alors dans ce cas-là, j'ai le droit de le lui acheter, même si d'un point de vue moral, il est possible que je l'aide à voler. Mais en l'occurrence, on n'est pas sûr que c'est forcément du vol. Et alors là, c'est justement la porte ouverte pour arriver à la notion qu'on voulait introduire, la notion des chazakot. Dans toute cette Mishnah, on ne parle pas que l'on est certain que l'objet est volé, mais c'est de la stipulation, c'est de la convention. C'est... J'ai un peu cherché comment traduire le mot chazaka, c'est une notion générale dans toute la Torah qui va apparaître. De manière générale, lorsque sur un objet, on ne sait pas quel est son statut, alors on a plusieurs règles de stipulation, évaluation, pour se dire... peut-être que oui, peut-être que non. D'accord, il y a plusieurs comme ça, plusieurs svarot avec lesquels on va plusieurs éventualités, hypothèses. Et puis parmi toutes les hypothèses possibles, alors on va choisir quelle est la chazaka, quelle est la stipulation la plus probable, et on va établir que désormais ce sera elle la chazaka. Que jusqu'à preuve du contraire, ce sera, on pourrait traduire le mot chazaka par convention. Ce sera elle. Là, on va établir par convention que jusqu'à preuve du contraire, l'objet a tel statut. En l'occurrence, on va prendre l'exemple ici. Le roé, ce berger, je ne sais pas si c'est un voleur. D'un côté, lui, il a une chezkat kashrut. C'est quelqu'un de réputé pour être un bon juif. Il n'est pas censé être un voleur. D'un autre côté, c'est un peu étonnant son histoire, qu'il va paître et puis il se retrouve avec des bouteilles de lait, quoi. Il est passé, en plus de ça, en plus d'être berger, il fait du commerce de lait, il enchète en gros, il le revend. C'est pas logique. Alors là, la convention par rapport au lait va nous dire, mais ça peut pas lui venir. Ah, alors là, on va être confronté entre deux forces. D'un côté, c'est un juif cachère, mais d'un autre côté, il a quelque chose qui est censé être pas cachère dans les mains. Alors, qui l'emporte ? Alors, sur ça, il y a plusieurs manières de réfléchir, d'accord ? Mais de manière générale, on va établir selon Chazaka, on va établir par convention que l'objet a tel statut. En l'occurrence, on va par exemple établir que l'objet, jusqu'à preuve du contraire, il est volé. Il y a ici une incohérence entre ce berger et ce lait. C'est pas logique qu'il lui appartienne jusqu'à preuve du contraire. On va dire Chazaka que le lait, il est volé. Par convention, on va établir que jusqu'à preuve du contraire, le lait ou la laine sont volés. D'accord ? C'est la notion de Chazaka. C'est une notion qui apparaîtra dans des tas de sujets. On va parler dans tout le chasse, on va parler de Chazaka. Ici, on va parler de Mamonot, et puis lorsqu'on va parler de Issour Veheter, de Mahalot Asurot, à savoir qu'un aliment il est cachère, interdit, on va utiliser la notion de Chazaka, que jusqu'à preuve du contraire, il est permis. Il y a des règles, ça intervient vraiment dans toutes les Chazakot, ça appartient dans la loi de Touma Vetahara. C'est très vaste, c'est une notion vraiment. Il y a des livres entiers qui ont été rédigés, le fameux Shav Shmatata du Ksot HaChoshed, un livre entier qui donne quand même des règles essentielles aux lois des Chazakot. Enfin voilà pour l'introduction, l'introduction au Chazakot. Et donc c'est la notion générale qui génère toute cette Mishnah, à savoir lorsque un objet se retrouve dans les mains d'une personne qui est censée elle-même être réputée pour être cachère, mais l'objet, c'est assez incohérent qu'il ait tel objet dans les mains. Donc, quelle chazaka va l'emporter ? La chazaka de cachou de la personne, et on va dire non, alors l'objet il n'est pas volé, c'est qu'elle doit sûrement avoir permission. Ou bien non, est-ce qu'on va dire non, c'est pas logique du tout, donc cette fois-ci on va dire que jusqu'à preuve du contraire, l'objet ne lui appartient pas, donc ça va être du gazelle, de la chèvre, parce qu'on va dire chazaka qu'il est volé jusqu'à preuve du contraire. D'accord ? Voilà pour la Mishnah, on fait rapidement le Bartenora, Bezat Hashem. En l'okrin minaroim, on n'achètera pas des bergers. Deika le memar shema ganvu, mitsono shel baala bait amasur laim. Il y a lieu de suspecter que peut-être ils ont volé du bétail, du troupeau, du propriétaire qui était dans ses mains, dans ses propres mains. Tsemer bihuda ou pishtan bagalil. On avait eu donc le cas que par contre on a le droit d'acquérir des femmes, d'acheter des femmes, des objets, des vêtements en laine dans la région du Yehuda, de la Judée, ou bien des objets en lin dans la région de la Galilée. Alors le Bartenora nous précise, Melechet Hanashimi, tout ça, ce sont des travaux des travaux artisanaux des femmes,
dans ces régions. Vehem atzman osot umochot uldat ba'alein hu. Et elles-mêmes les tricotent et ensuite les vendent avec l'accord explicite ou tacite du mari. Et donc c'est bon, on a le droit d'acheter d'elle. Va'agalim aroim basharon. Alors là, le bartender a rajouté un petit mot, il y avait marqué chez nous va'agalim basharon. Et alors là, il nous précise en fait, non, va'agalim aroim basharon. Les veaux qui pèsent dans la région du Sharon. Shem makom shem egelin bo'agalim ve'shelahen ed. C'est un nom d'endroit où là-bas, on élève particulièrement des veaux. Et ces veaux appartiennent aux femmes, c'est-à-dire qu'elles ont l'accord du mari de les élever et ensuite de les vendre. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Rendez-vous demain avec Bezrat Hashem, le Siyum de Baba Kama. Kol Tuv Selah.